La Ligue des Oulémas et prédicateurs a célébré le Mouloud ou la naissance du prophète Mohamed. C'était hier à la Grande Mosquée Oua Faisal. L'imam de la Grande Mosquée est représenté par Cheikh Omar Djibrin Moumine à cette occasion. Idriss Omar, Idriss. Les fidèles musulmans au Tchad célèbrent la naissance du prophète de l'islam tous les troisièmes mois de l'Hijr de l'année lunaire. Exceptionnellement cette année, la Ligue des Oulémas et prédicatrices au Tchad se sont organisées pour célébrer le Mouloud avec d'autres femmes de la capitale. Pour donner un cachet particulier à cet événement, les staffs du Conseil supérieur des affaires islamiques et le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatima Abdallah, ont pris part à cet événement. La présidente de la Ligue des Oulémas, Zainab Youssef Adam, a saisi l'occasion pour inviter ses sœurs à éduquer leurs filles selon les concepts et principes de l'islam. Pour elles, la femme doit être un modèle de la société auquel toute la génération aspire. Des louanges, des récits et éloges faits à l'endroit du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ont agrémenté la cérémonie. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Djibril Moumine, a dans son allocution encouragé cette couche féminine pour l'action entreprise. Le club Cheikh Ibrahim Salah a organisé jeudi dernier une cérémonie similaire à l'imam Adbello. Les fidèles musulmans du 5e arrondissement à l'initiative du club Cheikh Ibrahim Salé se sont retrouvés dans la nuit du jeudi à l'école bilingue La Gouloir pour commémorer par anticipation la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. C'est une nuit riche en louanges, des louanges qui relèvent les mérites et la grandeur du prophète de l'islam. Le représentant du club Cheikh Ibrahim Salé appelle les musulmans à s'inspirer de la vie de leur prophète pour avoir une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Voilà, nous parlons une fois de plus religion, les fidèles musulmans. Dame Diaras dispose d'une nouvelle mosquée. C'est un don d'un fidèle, d'un fils de la région. Le point avec Kalia Gavotin. Bâtie en plein cœur dans la ville d'Itou, plus précisément au quartier Sirigébiéman, la mosquée Ali Boye a une capacité de plus de 200 places. Cette mosquée servira de cadre de prière aux fidèles musulmans d'Itou et ses environs. Un acte de bienfaisance de Hadji Anda Ali Boye, ressortissante de la localité. Plusieurs invités venus de la région de l'Enedi Est et d'ailleurs ont rehaussé de leur présence à la cérémonie d'inauguration de la dite mosquée. Dans son sermon, l'imam relève que Dieu recommande aux fidèles musulmans de poser des actes de bienfaisance s'ils ont des moyens, avant de saluer cet acte posé par la bienfaitrice. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques section de l'Enedi Est, Omar Khamis, a vivement encensé cette œuvre et a profité de l'occasion pour appeler les fidèles musulmans à venir accomplir leurs prières dans cette mosquée. Zakaria Idriss Debi Itnou, fils de la bienfaitrice, a signifié à l'assistance que cet acte posé par sa mère ne sera ni le premier ni le dernier. Pour parachever l'œuvre de sa mère, Zakaria Idriss Debi Itnou a procédé à la pose pierre d'un complexe éducatif juste à côté de la nouvelle mosquée. Un complexe éducatif composé d'une école bilingue, d'une école coranique et d'un internat. Donc, il ne faut pas que ce soit interprété comme typiquement une implantation religieuse seulement, mais religieuse certes, mais éducative également, qui portera un avantage global. Le coût global de la construction de la mosquée Ali Boye d'Itou s'élève à plus de 60 millions de nos francs.